va, commandant? Oui. Encore une de ces explosions. Et il y avait des Russes avec eux. Des conseillers, peut-être. Des Russes? C'est ça. Il y a eu échange de coups de feu avec les paras. Des mercenaires? Vous avez pu entendre ce qu'ils disaient? Pas vraiment. On est certain qu'ils parlaient en russe. Une affaire de camion à transporter au sud. Un de mes gars les a entendus. Il faut prévenir la pointe. Général? Colonel? Direz à une piste au sujet de l'arme. Lors du sauvetage du commandant Ilitch, un de mes hommes a entendu parler russe. Il en est sûr? La mère du sergent Greenberg est de Saint-Pétersbourg. Il parle couramment russe. Qu'a-t-il entendu? Un type parlait à la radio. Il convoyait des camions vers une ville au sud. La seule ville située au sud, c'est Mogadiscio. 100 km au sud-est, dans les montagnes. Clay City. Avec toutes ces vieilles maisons à flanc de colline, l'endroit rêvé pour se planquer. Laissez-moi faire, et elle sera rasée ce soir. Capitaine, ces ruines ont une grande valeur archéologique. Nous ne pouvons pas les raser. On va devoir envoyer des troupes sur place pour vérifier. Ils vont se faire massacrer si l'ennemi y est retranché. Mais on peut pas leur laisser cette arme. Envoyez les unités d'assaut. On les soutiendra avec la C-130. Ça épargnera les ruines et les zones civiles. Eh ben moi je dis qu'on a qu'à tout faire sauter. Retour à l'âge de pierre. Est-ce que vous voulez renvoyer à l'âge de pierre, capitaine? Général, des Russes ont été identifiés parmi les rebelles. Impossible. Le commandant Ilitch les a entendus, général. Le commandant a dû se tromper. Qu'en pensez-vous, colonel? Le plan du commandant Rill me plaît. Je les couvrirai. Mes appareils ne bombarderont pas ces ruines. Ça ferait un scandale international. On peut le faire avec ou sans les MiG. Alors, général? Ben, ce sera sans. Bien, on est à 2000 de notre secteur cible. Nous allons sécuriser la zone d'atterrissage des Black Hawks, puis nous appuierons les troupes au sol. Spence, l'armement est opérationnel? Parez à tirer dès qu'on me donnera une cible. Alors allons-y. Warwolf 1 à Spooky. Espace aérien de Clay City sécurisé. On a un vol civil pris en chasse par deux chasseurs au nord. Je veux aller les aider. Ça vous va? Bien compris, Warwolf. Pliez en cas de besoin. Allez-y. À tout l'équipage, nous entrons dans la zone cible. Priorité à l'anti-aérien. Opérateur de tir, Tommy, c'est compris? Bien reçu. Je lance la détection d'hostiles. Nous avons autorisation d'engager tous les hostiles sur zone, mais pas touche aux ruines. Même pas en cas de menace? Négatif. Reçu. Véhicule hostile sur la route.
À tout l'équipage. Autorisation d'engager. Compris. On engage les hostiles. Utilisez le 40 mm. Et attention où vous visez. Commandant, nombreux rebelles près des ruines. Bien compris. Utilisez la Gatling de 25 mm pour l'antipersonnel. Les hélicoptères ne vont pas tarder. Ici Spooky 01, parlez shooter. On est en route vers la ZPL. Est-ce que la zone est sûre? On y travaille, dirais. Écoutez, commandant, on va devoir interrompre la mission si la zone de largage n'est pas sûre. Reçu. Écoutez, nous devons éliminer tous les hostiles pour que les hélicos puissent atterrir. Alors ne lâchez pas ces rebelles. Compris. On reprend l'attaque. On a un groupe de rebelles droit devant. Utilisez le 21. Je vire. DCA neutralisé. Continue à tirer. Véhicule détruit. 6-6-1, on est pile à l'heure. On sera bientôt sur la ZL. On a du mal à déloger tous les rebelles. Et on les aura, commandant. Cible touchée. À 30 secondes de la zone de l'arcage, c'est la cible en visuel. Activez-vous, Spen. Il faut en finir. 50% des hostiles hors combat. Allez! Ok, on nous tire dessus! Ben, allumez ces enfoirés, vite! Nomade sur la ZL! Spooky, ici Bravo 8! Spooky, j'écoute. Unité d'assaut en déploiement. On progresse vers l'objectif. On a un planning serré, commandant. On va avoir besoin de vous pour nous dégager le chemin jusqu'à la cible. Reçu. Tommy, Pence, vous allez sécuriser l'itinéraire de Bravo 8. Mais vérifiez bien vos cibles. Ne blessez pas nos gars. Reçu. Sur 1 à Nomad. Repliez-vous et attendez le signal. Reçu. On s'éloigne, on attend. Bravo 8, on va s'occuper de vos petits amis. Merci, Spooky, merci. Cible éliminée. On se tire. Bravo 8 à Spooky. Vous pouvez descendre les tireurs flanqués devant nous. Reçu. Spooky, vous pouvez cibler les véhicules avec les mitrailleuses. Spooky, on est coincé. Bien. Impossible de poursuivre la mission.
Tommy, Spence, vous allez sécuriser l'itinéraire de Bravo 8. Mais vérifiez bien vos cibles. Ne blessez pas nos gars. Reçu. Sur 1 à Nomad. Repliez-vous et attendez le signal. Reçu. On s'éloigne, on attend. Bravo 8, on va s'occuper de vos petits amis. Bien reçu, Spooky, merci. Cible éliminée. Bien compris, Bravo 8. On reste en couverture. Ici Bravo 8, on essuie des tirs de mortier. On n'a pas la position des mortiers ennemis, on a besoin d'aide. Spence, vous voyez leurs mortiers? Il faut les détruire. On a localisé les mortiers. Si je perds pas, on vient en renfort. Reçu. Bravo 8 à Spooky, vous avez un visuel sur les mortiers ennemis. Bravo 8 a atteint le point Delta, ils sont à mi-chemin de l'objectif. Spooky, les tirs de mortiers se rapprochent. Spence, neutralisez-moi ces mortiers. Spooky à Bravo 8, les mortiers hostiles sont détruits. Bravo 8, reçu. On avance. Ici Bravo 8, j'ai des véhicules ennemis en visuel, ils viennent sur nous. Spence, détruisez ces véhicules. Ils ne doivent pas approcher de nos gars. Spooky, vous devez neutraliser les véhicules ennemis d'urgence. On ne pourra pas poursuivre la mission s'ils approchent davantage. Spence, il reste des véhicules ennemis. Neutralisez-les. Ici Bravo 8. Tous les véhicules ennemis ont été détruits. On continue. Véhicules détruits. Bravo 8 à Spooky. Vous voyez ces bunkers? Spence, éliminez les hostiles qui se trouvent au sol. Spooky, rencontrons force résistance. Demandons à Tifo immédiat. Bien reçu, Bravo 8. C'est encore pire qu'Atacourga en Afghanistan. Aidez-nous, on sera obligé de battre en stress. Bunker détruit, on avance vers l'objectif. Bien compris, Bravo. Bonne chance. Pas de dégâts collatéraux avec les obus, Spence. Tirez à la Gatling. Continuez. On y est presque. Ne vous arrêtez pas! Cible éliminée. Bien. Les troupes au sol progressent vers l'objectif. À l'équipage, Bravo a atteint la cible. Tirez à vue sur tout hostile jusqu'à ce que Bravo soit prêt à partir. Reçu, commandant.
On y va! Allez! 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 Commandant, on a des avions sur la piste. Ils vont décoller. Les avions vont atteindre la piste. Spence, détruisez ces avions avant qu'ils décollent. Warwolf est occupé au nord. On est tout seul sur ce coup. Détruisez-les, Spence. S'ils décollent, on est foutu. Hiro s'en va. Les laissez pas décoller. Appareil détruit. Beau travail, tout le monde. On retourne appuyer Bravo 8. Hiro s'en va. Warwolf 1, Spooky. J'écoute, Warwolf 1. Spooky, problème réglé, Warwolf. On les a eus avant qu'ils puissent décoller. Bien joué, Jan. Hé, hey, faut déboucher le champagne. Hé, hey, non, attends, j'ai mieux. J'irai piquer la vodka du général Stagg. Ça me va. Bravo 8 à Spooky. Spooky, j'écoute. On a presque terminé. On bouge les chars. On a quelques blessés. Vous pouvez informer Shooter ? Affirmatif. Spooky à Shooter 1. Bravo 8 pose les charges. Ils ont des blessés. Bien compris. Tâchez de sécuriser la Zeta pour Nomad. Reçu. Spooky, on amorce les charges. Ici Nomad, on approche de Z-A. Messieurs, tirez dès que vous aurez identifié la cible. Bravo 8, quitte la base. À nous de les protéger. Bien. Cible localisée. Ouvrez le feu. Reçu. Cible touchée. Bravo 8 est sur la Zeta. Reçu Bravo 8, on vous voit. Z-A compromise. Z-A compromise. Missile solaire. Évasion, évasion. Nomad 1, dégagez. Demi-tour. On est touché. Jack, neutralisez cet emplacement. Allez, Spence, remuez-vous, c'est lui ou nous. Nomad 6-1, votre situation. C'est pas brillant. Mission de mille en baisse. Je dois partir. Nomad 6-1, pouvez-vous rentrer à la base? Je sais pas. Je vais essayer, capitaine. Bien. L'escadron Nomad 6-1 est hors combat. Prenez le relais. Bien compris. Nomad, l'ennemi a des lance-roquettes et des lance-missiles portables. Ouvrez l'œil. Nomad 6-2, compris. Très bien, tout le monde. On a un boulot à finir. Tout le monde à bord des hélicos. Shooter, on est suivi des tirs nourris. Direz, les hélicos se font canarder de tous les côtés. Et il y a bien trop de cibles pour nous. Bon sang. Tire au 40. Black Hawk, repliez-vous, décollez, vite. Shooter, attention, le lieutenant Nicolas est toujours au sol. Il retourne chercher un de ses hommes. Oh, bon sang. Quels sont les ordres, capitaine? Rejoignez tout de suite la zone d'attente. Vous voulez qu'on l'abandonne? On se fait allumer ici. Je ne peux pas risquer toutes mes vies pour deux gars. Très bien, balancez tir de suppression. Massacrez ces fumiers. Je suis sur la réserve. Je peux tirer 5, peut-être 10 minutes. Merde. J'ai une idée, dirais. Laquelle? Le système de récupération. Vous allez les attraper au vol? Il y a au sol pour aller supporter? Je le propose car je suis convaincu que ça peut marcher. Capitaine Robinson. Bien compris. Stand by. Nomad, il y a combien d'hommes avec lui? Mauvaise nouvelle, capitaine. Le gars qui l'était retourné chercher est mort. Bon sang! On tente le coup. Bravo 8, vous me recevez? Bonsoir, Spooky. On va faire un passage pour vous larguer le matériel. Des hostiles s'en prennent au lieutenant Nicolas. Défendez le lieutenant, Spence.
Attention, Spence. Touchez pas le lieutenant. Attention, Spence. Ils seront bientôt sur lui. Ils sont tout près du lieutenant Nicholas. Protégez-le. On a réussi. Remuez-vous un peu, on va se faire descendre par ces canons. Restez vigilants, les gars. Laissez pas votre garde. Reçu. Soyez prêts à l'arrière. Reçu. Je vois un véhicule blindé. Tirez. Sur la cible. Commandant. Tommy, prêt à larguer? Trois, deux, un, go! Paquet largué. Paquet largué. Parachute ouvert. Spence, tenez l'ennemi à distance du lieutenant pendant qu'il se prépare. Paquet au sol. Les matériels, je me prépare. On reste en attente. Et une foule en colère sur le dos. Cookie, vous êtes encore là? Ben, éliminez-moi ces hostiles. Je vire. Le ballon est en l'air. C'est bon, tout est prêt. Bien reçu, bravo 8. Attendez et accrochez-vous. Attention, nous entamons notre approche. Tenez-vous prêts. Ça va être chaud. Spence, éliminez tout ce qui approche de ce ballon. Et on y va. Virage achevé. Ballon à 3000. Altitude 600 pieds. 590 pieds. On est encore trop haut. C'est pas bon, il y a trop de vent. Rafale de vent de travers. On a manqué la cible. Merde. On est passé au-dessus du ballon. On a manqué la cible. C'est raté, commandant. Je sais, Tommy. Et on va remettre ça. Oh, compris. Ok, vous en êtes où? On tente une manœuvre de récupération. On a un gars au sol. Je sais. Oui. Jan, ils sont tout prêts. Je peux y arriver, oui. Très bien. Trois. Allez-y. Annulez en cas de tir hostile. Merci, colonel. À tout l'équipage, on va y arriver cette fois. Quand j'aurai rétabli l'assiette, on va devoir plonger 600 pieds. On doit être à 300 pieds en 5 secondes. Accrochez-vous à vos tympans. On y va. Reçu. Virage terminé. Je pique. Altitude 700 pieds. Feu. 500 pieds. On monte. 330 pieds. Préparez-vous pour récupération. Ballon droit devant. Ballon attrapé. Ouais. Ouvrez trappe arrière. On est prêt. Câble amarré. On le remonte. On l'a eu. On l'a eu. Bien joué, les gars. Vous l'avez, Spooky? Affirmatif, Will. Bravo 8 va retrouver son lieutenant. On rentre à la base. Bravo, commandant. C'est du sacré bon boulot. Merci, Will.